Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto. Je vais vous montrer comment dessiner Luffy à partir du mot Luffy. Je rappelle que c'est un style de dessin challenge qui vous permet, qui est pas évident et qui vous permet de dessiner donc sans crayon, sans gomme, juste avec un feutre noir en une dizaine de minutes et avoir un résultat ultra stylé. C'est parti, on commence par écrire Luffy. Alors je vous avoue, pour celui-ci, on va écrire Luffy en petit. Luffy, donc il y a deux F, c'est ça? Il y a deux F et un Y. On va faire ça en petit, deux F et Y. Ok, donc on a le mot Luffy. Bon, une fois qu'on a ça, on a la base de notre dessin et à partir de ce mot, on va faire notre personnage. On commence par la petite, le haut en fait. Hop, voilà. Petite courbe comme ça qui remonte de chaque côté. Un petit V, là et là. Ok. Ici, la manche. Je suis allé un peu trop loin là, je sais pas ce que j'ai fait. Puis là, ça repart verticalement. L'épaule de notre Luffy. Puis là, c'est là où ça va pas être évident. Là, ça part comme ça. Pour le bras, en fait, qui va aller vers le chapeau, comme ça. Le coude, la manche qui est repliée, l'épaule qui est là et qui repart directement comme ça. Alors pour le moment ça ressemble à rien, mais si vous avez déjà vu ce style de vidéo, c'est normal. Un petit peu plus bombé ici pour l'épaule. Le cou, avec la tête. Et surtout, hein, surtout, 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 le chapeau. Je commence par faire des choses trop fines, c'est normal. Ok. Maintenant, la main. Donc là, déjà, on commence à être dans les trucs assez techniques, hein. Il faut essayer de ne pas faire d'erreur parce que là, pour le coup, si on voudra modifier, il faudra presque tout recommencer. Ok. Alors, continuons avec alors, c'est pas assez long, c'est pas assez long, c'est pas assez long. Ouais, l'un de mes problèmes, c'est que j'ai tendance à faire les silhouettes trop tassées. C'est un problème que j'ai depuis longtemps, ça, de faire les personnages un peu avec des silhouettes d'enfants, trop petits. Ok les gars, allez, on regarde ce que ça donne. En vrai, ça peut vous surprendre. Hein. Je vous dis là, le dessin, il peut vous surprendre. Donc regardez bien et restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Parce que regardez, on va faire quoi? On va prendre un compas. Ça déjà, vous vous y attendiez pas, j'imagine. On l'ouvre. On met le centre ici. Et on va faire. Non. En fait, j'ai changé d'avis. Le centre, on va plutôt le mettre là. Voilà, tu vois.
Donc c'est la silhouette, la pose emblématique de Luffy, hein, pour ceux qui se demandent la référence de la position. C'est parti, on colorie en noir. Par contre, vraiment faire ça avec un. Déjà que c'est pas facile ce type de dessin, et faire ça avec un feutre comme ça, voilà quoi. Trop épais ici, trop épais, c'est dommage. C'est dommage, on va voir si on peut si on peut rattraper le truc peut-être. Mais c'est beaucoup trop épais. Alors, on fait l'herbe. Voilà, et enfin pour terminer, on colorie en noir tout autour. Alors, sans dépasser, hein, là moi je fais ça vite fait, mais le but c'est de colorier en noir tout autour. Ou alors vous découpez. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est découper et coller sur une feuille noire. Moi, à votre place, c'est ce que je ferais, parce que là, si vous voulez colorier en noir toute la feuille, vous allez en mettre de l'encre, tu vois. Donc là, moi, je vais laisser comme ça. Et
On va être créatif un peu. Voilà, tu vois. Et voilà, et en fait c'est une pupille les gars. Non je rigole, mais on dirait un peu. Et voilà les gars, franchement stylé, hein. Stylé, stylé, propre. Et voilà le petit Luffy à partir du mot Luffy. J'espère qu'il vous plaît. En une dizaine de minutes, franchement, c'est super beau. Encore une fois, j'adore. Pas besoin de se prendre la tête à faire tous les détails et tout. Vous commencez comme j'ai fait là. Et vous avez un dessin qui tient la route pour une dizaine de minutes. Évidemment, après, on peut trop travailler hein, pour avoir un truc encore plus propre. Mais là, déjà, c'est très sympa. Moi, je kiffe. Petit pouce bleu si jamais ça vous a plu. Vous me dites en commentaire quel perso vous voulez pour la prochaine fois. Je vous fais des bisous. Ciao tout le monde.